Bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue ou sous TV La Caille. Aujourd'hui, c'est samedi 16 avril 2022. Son plaisir pour nous avec vous pour nous porter vidéo ça pour vous. Et nous disons merci à tous ceux là jusqu'à présent qui ont été connectés sous TV La Caille, qui abonnez, qui like, qui partagez vidéo nous. Nous disons merci pour patience et fidélité. Merci pour support tout. Et nous toujours là pour nous keme informer. Dossier passeport, dossier et résidence, dossier visa cap cancel, et bien pays les États-Unis avec Canada frappé fort là en pile sénateur Blonanger les capou Gracia Delva, et bien nèg yo gen problème là parce que pays ça a décidé pour bloquer toute visa malfois ça yo qui pas régler rien que sérieux dans pays ça. Et bien mesdames et messieurs, nous allons inviter gen tout détail sur ça qui a passé dans pays. Demande de visa et pour l'espace Schengen produit par ministère et haïtien qui a vu à l'étranger sous passeport diplomatique Gracia Delva. Et bien selon source diplomatique là, sénateur a déjà subi même soir auprès de consulats américains et canadiens. A dit que gagné et pas seul Gracia Delva, non bien en pile autorité gagné non et ministre et intérieur dans pile autre pour encore côté que yo commencé refuser yo et bien et visa et bien yo même yo pas capable de quitter pays là. Et bien parce que Gracia Delva on connaît que si et Gracia Delva artiste là c'est lui même et parce que monsieur est capable de jouer tout parce que nous connaît masque qu'on passe toujours et dans zone ça et bien visa et Schengen demande si on tient accès ça avec et passeport diplomatique là et bien refuser le dit que même américain avec canadien et bien il refuser le soit connaît que c'est un jugement on juge qui fait sortir en faveur et Gracia Delva côté qui était blanchi et bien dans plusieurs et dossiers et qui ça c'est après la rime de l'actualité au niveau de insécurité au niveau de pays. N'a toujours été. Ça fait l'aide en pile, mesdames, messieurs. Nous-mêmes, nous n'avons pas pitié pour les gens, non? Pour les sénateurs, non? Jusqu'à maintenant, nous tendons en fonction. Qui ça a réglé en rien? Ou à regarder, Pradel, nous parler de ça. Juge actuellement, juge Méran, qui sous dossier président Jovenel Moïse, c'est monsieur ça, c'est monsieur ça, c'est juste ça. Qui gâte à courir blanchi grâce à Delva. Bon, l'aile blanchi grâce à Delva là. Il pense que tu as grâce à Delva visa pour le capable de sauver, pour le capable quitter. Mesdames, messieurs, nous avons des bagages, c'est grave. Et là, moi, dis nous, juge Méran, même juge ça, qui sous dossier président Kounia là, sont catastrophes. Nous parlons les gens de Mounsa yo. Mes amis, on, pas dit, pays a comme si pas un juge sérieux qui est capable de prendre dossier ça, mes amis. Hein? Gracia Delva, tout le monde connaît l'implication Gracia Delva dans la question kidnapping, dans la question vieux bagaille. Mais qu'on y a là, c'est même vieux juge ça, nous besoin bail pour président Jovenel et Moïse, mesdames et messieurs, dans la question de mon président. Je pense que hey, le président mérite mieux que ça, mesdames et messieurs. En nous sérieux, et moi, je toujours campé, je répété, le juge me rend pas gain compétence pour l'État traiter dossier président. C'est pas qu'il pas gain compétence non, parce que monsieur ça a gain trois vieux dossiers dans tiroyo. Ça est important frère. Oui, on va avancer même chaque l'aime gagne Gracia Delva. Moi obligé rire parce que Canada refuse. C'est ça fait l'aide monsieur. Quand Canada refuse, Canada bon refuse. Qu'on a là le courrier en France. L'Allemand pour en France. La France bon refuse pirade. Les États-Unis même c'est pas parler. Quand on a cet album du lycée artiste, c'est Yes Aya, mais artiste là. On a les frères. Oui, on a toujours été dans le même cas de dossier, ça y est, toujours. Et bien, nous pouvons aller au niveau de et Salvador, le chef gang qui est plus cruel dans le pays Salvador, M. Ambacode, il est Nelson Antonio Hernandez. Et bien, dans le pays d'Haïti, nous connaissons que l'État noir, et bien, il a eu l'argent, munitions, à l'examen, et il a arrêté M. Aïe Martin, et bien, il a eu la et en Haïti, nous connaissons que depuis qu'il a arrêté M. Yo, et bien, il a eu la guillot après, et midi, ça a fait et au niveau de Salvador, et Salvador, qu'on y a là, gagné, et nous connaissons comment de se faire, tonton Sam, tout qui n'est pas d'accord, non, ou pas de jambes qu'on entendait, et loi et de l'homme dans le pays Salvador, et bien, ou pas le temps de coudia, et bien, le président est parlé à tout, et même, côté que grand pile, nous dit que c'est un bon bagage, je pense que en Haïti, et bien, il faut que monsieur commence et décide le chef gang, parce que même si que vous avez tout bagage, la police actuellement là, et lui est censé travailler, la police est capable d'éliminer les gangs. Et bien, connaît que les gangs sont un phénomène. Et au niveau du pays d'Haïti, c'est chaque côté passé, on nomme les installé. Et groupe gangs n'a toujours été dans le pays d'Haïti, n'a pas besoin de prison civile, quoi de Boukia, qui sous menace des gangs. Et bien, connaît que ça fait depuis bien des temps là, côté que gagne en pile d'informations qui a fait circuler sous prison, ça, on connaît que gagne en pile bandit
structure même et qui était menacé et bien plus tard crasé lui même parce que au niveau de autorité yo et bien censé prendre toute disposition yo et bien sous prison et civil Kwale Boukia sous menace de gang. Nous après aller rapide au presto dans cadre d'information censé à prédominer actualité a et bien connait que gagner déclaration qui net maintenant qui lui-même qui soulever et colère en pile et citoyen et la pays et d'Haïti et bien nous pral gagner pour capable tendre ancien sénateur Youri La Tortue qui t'a réagi sur dernière déclaration chargé de mission américain Kenneth Merton fait dans cadre de mission que lui-même qualifie irresponsable et politicien haïtien qui invite diplomate là et bien pour capable faire une évaluation et bien américaine dans politique interne pays d'Haïti et bien d'après le sénateur Youri La Tortue Kenneth Merton très mal placé pour lui-même lui a parlé comme ça ancien parlementaire lui accusé États-Unis lui dit qu'il y a une responsabilité dans la crise haïtienne en cours de déclaration ancien sénateur et la tribunite là Youri La Tortue qui a réagi dans le micro journaliste. Voilà mesdames messieurs et moi bien content d'entendre des réactions ça parce que c'est ça nous a dit oui et nous connaissons que politiciens haïti yo responsable des problèmes pays d'Haïti mais non pas qu'à nier implication des États-Unis dans tout problème pays d'Haïti mesdames et messieurs. Donc on nous invite à entendre audio ça et cette fois-ci eh bien c'est une autorité qui a parlé. Entendez ça. Et premièrement m'a dit c'est moi référé à la vie. Yo do avant garder pas qui dans jour prochain, garder pour qui dans jour là. Je dis à l'ambassade américaine, l'été doit garder tout ça que l'Américain fait dans la politique pays d'Haïti, qui est imposé par la force, qui est imposé par la puissance. Moi, je crois que Daniel Foote est allé jusqu'à reconnaître eh bien, toute mauvaise intervention, toute responsabilité que l'Américain a gagné dans la politique. En Haïti, ou t'es même arrivé dans l'élection, ou t'es un résultat bas, et bien, il a agi pour changer. Ou t'es arrivé du fait que il y a un premier ministre qui l'a, qui nous font tout ce pour lui dire, mais qui s'est ouvré. Donc, je veux dire, en matière de politique internationale, moi, je crois que c'est une règle. Si l'Amérique a été arrêtée dans la Convention de Vienne, j'avais arrêté hier. C'est ça. Il a bien droit, eh bien, de loin parler peut-être de pays, parce que le ça, il a quitté vraiment Haïtien et toute autonomie, toute indépendance. Et puis le ça, pendant qu'il y a intervention, ça y est dérangeante dans la politique haïtienne, le ça, il a bien droit de critiquer comme un acteur qui a suivi la politique là, mais qui n'est pas parti pour nous. Et la communauté internationale, en particulier les États-Unis, c'est la plus grande force politique en Haïti. C'est eux qui décident de l'Aïe, c'est eux qui changent. Bon, il n'y a pas de comme ça. Ils ont tellement rivé aux grandes puissances que, eh bien, ils ont décidé, et Haïti, malheureusement, Haïtien vient accepter comme ça. Moi, pas contre le fait que Haïtien ait une responsabilité, puisque Haïtien a accepté ça. Haïtien a accepté ça, ils ont accepté toute intervention, même les critiques. Depuis c'est pour yo bon, eh bien, yo d'accord. Haïtien qui est responsable. Mais, en l'autre pays, qui doit faire, mais pas États-Unis, puisque États-Unis, c'est yon nan responsable qui mettait Haïti côté hier, hein, depuis ceci pendant les 50 dernières années. Et je dis à moi, que l'ambassadeur s'est très mal placé, hein, pour que c'est lui qui a pu parler comme ça. C'est qu'en cours, c'est pour ce pays-là qui l'a vu même, c'est Haïtien qui est responsable. C'est quand il dit de respecter la Convention de Vienne, c'est pour un pays qui a travail et que l'Ibajam fait intervention dans la politique pays d'Haïti. Moi, quoi que, l'ambassadeur Kenneth Merton n'a pas le droit de parler comme ça, parce qu'il représente un pays qui, pendant les 50 dernières années, c'est un acteur qui, eh bien, fait que Haïti est dans la situation ça. Monsieur, voilà. Et même là que personnellement, nous avons un petit problème avec Youri La Tortue. Et sous ces angles, je pense que nous sommes capables de dire qu'il y a raison en quelque sorte. Mais c'est surtout, ce n'est pas question de guérison ou pas, non?
Et je pense que les États-Unis mal placés pour parler comme ça vraiment, parce que pendant des années, c'est M. Sayo qui a mis série de présidents dans le pays. Hein. Lès que nous avons un président qui voulait travailler, yo même encore fait complot assassiner le tuyel. OK? Donc, ils sont responsables de mal le pays d'Haïti. Puis, le plus gros monde qui est responsable donc, également, c'est les politiciens. Je dis là, avec de telles déclarations de Kenneth Metten, moi espère que les politiciens que nous gagnons, qui ne pas vous rien, moi espère qu'ils vont prendre conscience. Moi espère qu'ils vont prendre conscience. C'est qui les sont que nous-mêmes nous tirons de ça. C'est pas courir critiquer Kenneth Metten, non. Mais nous-mêmes, comme politiciens, qui ça nous prêt à le tirer ou qui ça nous commence à tirer de discours que net maintenant parce que je dis à là, je nous dis, il est le temps pour nous commencer à parler de Haïti, il est le temps pour nous commencer à parler de intérêt pays d'Haïti. Donc, nous-mêmes comme population, nous-mêmes qui dans la diaspora, faut que nous suspendons voter pour des vauriens aussi. Vauriens, ça, qui a travaillé dans l'intérêt américain, qui a gagné et Haïti sous dans le cœur, nous pas lui appuyer, mais n'empêche, politicien ça yo messieurs dames et vieux n'a pas regardé ça qui s'est passé avec ancien sénateur ça yo et je pense que ça sont catastrophe ça sont traumatismes liés pour tout le monde ça pas rien doit répéter encore mesdames messieurs c'est raison ça qui fait mais fait bataille ça l'aime fait notre don voice c'est pas quoi critiquer à mon cher Jimmy soit passe là non c'est essayer ouais qui les sont sortis dans ça pas discours que net maintenant son bagage qui grave mais n'empêche moi espère que il va prendre une leçon moi espère que il va comprendre Don Kato, qui prend matière fécale, qui vient dans le Parlement, en nous prend les sons de ça pour j'en débat ça ou pas j'en répéter, pour Bayakou ça, pas j'en aller dans le Parlement encore, mesdames et messieurs. C'est ça pour nous tirer. C'est pas simplement critiquer, non. Qui ça nous apprend de vos rien ça, mesdames et messieurs, afin que nous libérer le pays d'Haïti, une fois pour toutes, de tout ça que nous avons prêché. Oui, Pradel, en nous avancer. Oui, n'a pas continué dans le cadre d'information, yo. Jean que nous sommes appelés, ancien sénateur, la tribune, là, Yuri Latorti. Bientôt, dans le même cadre de déclaration, chargé de mission américain, qui t'a dû motiver, et acteurs haïtiens, yo, pour travailler ensemble pour être pays, dans la situation liée, je vous dis, d'après ancien sénateur, la France, des ministres, et qui lui-même, qui croit problème pays, c'est résultat, division, à incapacité, division, yo. Et qui t'a montré qu'il y a une haute responsabilité. On suit une déclaration ancienne et parlementaire au niveau de la France. Denis, c'est qui lui-même qui t'a répondu à une question journaliste. Oui, exactement. En entendant des extraits, c'est sous même angle, mesdames et messieurs. Certaines vérités, il dit que l'État vient de travailler pour l'État haïtien et pour l'État américain qui vient de travailler. C'est une belle mission. Nous toujours l'ont fait semblant et nous pas les garder des réalités en face, même penser que son vérité que lié. Et penser que deux genres de déclarations comme ça, c'est pas la première fois où joindre un diplomate qui a quitté le pays à faire, ou son parole, ça, yo choquant, mais moi-même, moi, quoi que, c'est piqué pour le piqué orgueil, non? Comme, yo dit là, la honte est un sentiment révolutionnaire, me penser que genre de déclaration, ça, loin pour nous t'a fâché à jouer, maintenant, c'est pour l'état fait que nous reprenons cap, nous, qu'on est que nous-mêmes haïtiens, autant que l'étranger a gagné pour le travail, pour payer, nous-mêmes nous gagnons pour nous éviter que chaque haïtien, le commun, des mortels, a dit chaque jour que la classe politique, les hommes et les femmes politiques haïtiennes,